Elle a 20 000 troupes, mais ces troupes, les troupes spéciales, de toute façon, elle va faire que les perdre. Elle pourra pas les garder indéfiniment, ces troupes spéciales. Déjà, elle en a perdu 4 000 troupes spéciales, donc c'est déjà pas mal. C'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Je peux demander 2 000 balles à mon gars. Les prisonniers peuvent être remboursés. Ouais, la duchesse Aurélia, non. Exiger des paiements. Votre meilleur ami, c'est non. Connaissance. Oui, Gigi D'Agostino. Le truc, c'est qu'il a encore 13 000 troupes. Après, est-ce que faire ça m'arrangerait? Pas spécialement. On a le score de guerre, on a des choses, mais le problème, c'est qu'il faut arriver à défoncer ces armées-là. Parce que là, elle a quoi? 6 100 et 2 800 de mercenaires. Sur armilière. Fou un peu. Je ne laisse pas m'attaquer, c'est hors de question. Il y a des fortes probabilités de... Légère, putain. Et là-bas, il a 14 000 troupes, j'en ai 18 000. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas envisager ça. On peut pas envisager ça, on envisage ça. Expansionnisme spirituel. La guerre italienne est loin d'être finie, hein. Très très loin d'être fini, malheureusement. Parce que même si je prenais ça et ça, là en fait, s'il prend ça, après il va partir sur d'autres territoires, donc et il va partir certainement sur ma capitale. Il m'arrangerait pas, mais on peut essayer de prendre ça et ça. J'ai un malentendu, ça peut marcher.
pas faire ce que je veux. Après, si elle meurt avant moi, de toute façon, elle perd ses revendications. Donc, c'est censé être ma meilleure amie et elle me trahit, quoi. Donc, ça fait un peu chier. Je cache pas. Termine par une paix blanche. J'ai envie de décliner pour le moment. Ok, toi je vais te partager en deux pour avoir la nourriture. Et là elle part où? Ok, elle part en Corse. Le tout, c'est qu'elle est pas ce qu'il faut, quoi. Une deuxième fille pour mon fils héritier. Il faudra un petit nom, s'il vous plaît. Bonsoir à toi, Maro Jolie. Un petit nom pour la future princesse. Donc si vous avez des noms de DJ féminins, s'il vous plaît. Georgia and Julie. Georgia and Julie. Non, j'ai fait une erreur. Georgia. Ok. Et là, on a combien? 22 000 troupes. Et ils sont 15 000. Est-ce qu'on peut prétendre... Faudrait capturer le. Faudrait pouvoir capturer le roi d'Italie. Si on capture le roi d'Italie, déjà, ça sera pas mal. Culture à Vecchio. Ok. Vecchio, ok Bastien. On va faire Syracuse maintenant.
On va mettre mesure défensive, niveau de fortification, plus la taille des garnisons, plus 20%. Ça serait pas déconnant. Qu'est-ce qu'il me faut? Un manuscrit d'origine andalouse, ça je répare. Ah oula, la Castille a récupéré des terres ici, mais a perdu des terres là-bas. Ça n'a pas l'air de se passer bien pour eux. Ah oui, d'accord, et le Mali a perdu des terres encore aussi. Le Mali gagne des terres à quelques endroits, mais en perd à d'autres. C'est particulier, mais on aime ça. Allez, 30 jours. Ouais, c'est bon, ils se mettent sur Pise, ça me dérange pas. On vient ici. La duchesse, toi, ça, on a du monde qui a nous donné un peu d'argent. Ok, ils ont eu peur, c'est parfait. Est-ce qu'on peut aller chercher? Non, on va rester ici. On va juste partager l'armée en deux. Histoire de reprendre un peu de ressources. Est-ce qu'on peut considérer que... Est-ce qu'ils viennent après de moi? Ouais, pas plus malheureusement. Viens de perdre mon antiquaire. Enfin, là, le truc, c'est que là, pour l'instant, bon, ils sont en train de prendre la Corse, etc. Mais après, si on arrive à les taper, est-ce qu'elle a diminué son armée? Oui, ses soldats spéciaux ont diminué. Par contre, elle a augmenté ses mercenaires. Mais au bout d'un moment, ses mercenaires, elle va pas pouvoir les augmenter. Pas avec la somme qu'elle a. Donc, plus le temps passe, plus elle les perdra, de toute façon. Ok, on a 48% ici. Ok, le score de guerre augmente, c'est bien. Je viens ici, là, là je vais sur Pise. Bannière de guerre d'Ilikia. De Bastia perdu. Où est-ce qu'ils vont?
Ce que j'aime bien, c'est que je reçois des cadeaux dans tous les sens, mais que je sais pas quoi en foutre. C'est génial. Ok, 87%. On va aller là-bas, on va aller s'occuper de... Non, je vais pas lui donner de plus de cadeaux que ça. Faut que j'aille là. Si je fais ça, j'ai la possibilité de lui botter le cul. On a une fille, on a le choix du roi, enfin de la reine là en tout cas. Il nous faudrait un prénom pour une petite fille. C'est moi qui ai déclaré la guerre à l'italien et c'est la Romagne qui m'a déclaré la guerre. Cora. Alors... En majuscule comme ça? D'accord. Votre prisonnier demi-frère, bah oui, forcément. Allez, il faut qu'on fasse cette victoire-là. Ok, guerre contre l'Italie, gagné. Déjà. Pouf! Déjà, ça a dégagé des gains non négligeables. Ensuite, guerre suivante. Le truc, c'est que... Est-ce que je vais avoir assez pour les démonter là? Parce que là, il faudrait une armée pour reprendre ça. Parce que là, actuellement, 4 ans, on a du score de guerre pour nous, mais c'est tout ce qu'on a.
Le problème, c'est que l'autre, elle commence à avoir des alliés là. Donc, là, normalement, pourquoi j'ai 8%? Allez, parce qu'il faut faire sauter les prises de guerre. Ok. Un va là, l'autre va là. Alors, les activités. Gain d'expérience de pèlerin et gain d'expérience de voyageur. Ça, je prends. Parce que je le voulais. Tradition d'écuyer, ça a été pas mal, hein, aussi. Peut-être que je le prenne la prochaine fois. Là, 8 mois. Est-ce que je peux faire. Et là, j'aurai suffisamment de troupes normalement. Une aide contractuelle, je veux bien. S'ils me prennent des territoires et qu'ils m'en libèrent, je prends. Si j'assassine son fils. Oh merde! Son fils est devenu roi de Bretagne. Oh merde. Donc la Romagne, la Bretagne va récupérer la Romagne. Ça me fait chier ça. Attendez. On va voir si ça augmente pas. Ouais, on prend les mesures défensives, ça je prends. J'aurais pas quelque chose pour faire baisser mon stress au lieu autre que me. Voilà. C'est pas le mieux, mais. Gagner attribue maraudeur, devient d'accord, on est pas mal. Ok. Bourgmestre Artao. Ok. Alors, il est où le bourgmestre Artao?
Non, ça c'est pas moi qui fais la guerre, ça va. Je vous avoue que j'aimerais bien capturer son fils, ça m'arrangerait lui faire. D'accord, il est en plus, il est là-bas. Ça m'arrangerait de le capturer, de lui faire subir une petite décollation de la tête. Alors, partager les armées en deux pour l'instant. Capitaine pour 100 balles. Bourgmestre pour 30. Du Cramon de Algarve. Je comprends pas comment en étant là-dedans, j'ai des titres que je peux perdre et qui vont partir dans une autre famille. Là, ça me démonte un petit peu. C'est-à-dire que mes autres titres ne sont pas au bon niveau? On aura plus sa propre succession. Hein, c'est vrai que ça, on pourrait faire sauter. Bon. Et qu'est-ce qu'il dit lui? 29 000 troupes quand même, le garçon, il est bien. On est à 48. On va prendre un peu de score de guerre, il faudrait soit reprendre ces territoires-là, soit... Ça c'est une ville, donc ça pourrait tomber facilement, ça. Sept mois, 8 mois. Et d'un coup, elle a plus que 13 000 troupes. Oula, attendez, elle subit une guerre en plus. Guerre sainte pour duché de Spolète. Ah oui, d'accord. Et Croc de Loup, ça je le garde. Politique de la cour castillane, ça je garde. Et les ramures de serre, ça je garde. C'est fou le nombre de personnes qui me donnent 150 balles. J'ai peur que ce soit de l'argent.
Que ce soit à chaque fois des trucs qui soient piégés. Quoi. Herbe et plein de puissance. Ouais, je peux le garder. Ah mais non, il est pas mort. Mais non, mais tuez-le.